Bonjour, bienvenue sur Nuestro Potager en cette magnifique journée ensoleillée de début d'automne. Nous allons débuter notre tour du potager, en particulier des légumes se récoltant à l'automne, par les topinambours. Et nous voyons ici que la partie aérienne du topinambour est assez impressionnante, je dirais même excessive, on approche les 4 mètres. Alors nous sommes au mois d'octobre et c'est vraiment le début de la période de récolte du topinambour qui va se prolonger jusqu'au mois de janvier. Nous voyons ici des tubercules de petite taille. Par contre, celui-ci a déjà atteint plus ou moins sa taille finale. Donc le topinambour va continuer à grossir jusque décembre-janvier. Nous avons déjà une vidéo dédiée au topinambour et je vous invite à la visionner pour en savoir davantage. Alors comme on peut le voir, les plants de patates douces ont été progressivement envahis par la végétation des potirons espagnols. Bon voisinage parce que la végétation des potirons espagnols a permis de garder un degré d'humidité assez élevé pour les patates douces, ce qui est favorable à une récolte abondante. Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué le rôle du jalon. Il sert à localiser pour faciliter l'arrosage et la récolte des patates douces. Mais disons qu'ici, on voit que ça n'a pas résisté à l'invasion de la végétation des potimarrons d'Espagne. Pour l'an prochain, je mettrai des jalons un peu plus haut. Hier, j'ai arraché un plant pour voir quel était l'état de la croissance. Elles sont encore petites, donc je vais les laisser en paix jusque fin novembre, début décembre. Et les fameux potimarrons doux d'Espagne, les voici. Donc la récolte va pouvoir commencer. Une chose assez incroyable avec les potimarrons, c'est que la plante mère se trouve à plus de 4 mètres de ce fruit. Et bien sûr, l'automne est la saison des potirons, dont voici un magnifique exemplaire. Autre plant récolté en automne, la betterave rouge, dont voici un magnifique exemplaire. Également les radis noirs, dont ces deux exemplaires sont prêts à être récoltés, mais les plus petits pourront attendre jusqu'à la mi-novembre. Nous voici à côté de la luxuriante pergola de Pepinos pararenenos. À noter que le nom en français de Pepinos pararenenos est cyclanthère. Cyclanthère, c'est une plante herbacée de la famille des cucurbitacées. Et ce genre comprend 75 espèces que l'on retrouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Le plus connu étant le Cyclanthera pedata, le concombre des Andes que nous avons ici. Alors ça ne se remarque peut-être pas, mais la plante est remplie de fruits. Malheureusement, les fruits sont quasiment de la même couleur que la végétation, donc de loin on ne les remarque pas, mais il y a vraiment une très grosse production. Voici un bon exemple. Voilà. Le fruit se présente comme suit, avec deux petits piquants. Pour sa préparation, on va couper la partie supérieure et on va enlever la hampe qui retient toutes les graines. Et vous voyez que les graines ont une forme assez biscornue. Mais c'est une plante extrêmement volontaire, très facile à cultiver, mais les éléments clés sont une très bonne fumure, un bon arrosage et une bonne structure pour supporter toute sa végétation importante. Je vous invite à visionner de précédentes vidéos où j'expliquais le mode de culture du Pepinos pararenenos, ainsi qu'une autre vidéo sur la manière de le cuisiner. Assez curieusement, je suis à côté d'une batavia rouge grenobloise qui s'obstine à pousser à travers les planches dans la serre, ce qui souligne sa volonté et sa résilience. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Nuestro Potager.